Et justement, c'est quoi ton avis sur le mal de dos et le soulevé de terre Je vais pas dire dos rond parce que c'est encore, j'ai l'impression que je le pose à beaucoup de mes invités ces temps-ci. Parce que c'est un peu à la mode aussi, il faut dire. Il y a de plus en plus de. Je sais pas si tu. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe du côté anglophone, mais francophone, il y a des débats houleux sur soulever terre de rond, oui ou non. Alors, d'un côté, les études diraient que c'est intéressant parce que ça renforce disque, ligaments, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, non, c'est complètement une hérésie. Continuer à faire du soulever terre de rond, on en reparlera dans 20 ans. Donc, il y a un peu tout ça. Où c'est que tu te places, toi? Est-ce que déjà tu t'as eu vent de ces débats-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est sûr. Après, où est-ce que je me place? C'est une bonne question. Si tu veux, moi, à chaque fois que je suis face à un sujet qui est un peu polémique, premièrement, la première étape, c'est j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui a comment dire, surmonter la preuve du temps. Les techniques d'entraînement qui existent depuis des lustres, si elles étaient mauvaises, naturellement, par la sélection naturelle des choses, ils auraient sauté. Elles ont disparu. Ils auraient disparu. Donc c'est ce qu'on appelle the proof of time en anglais. Donc, Ce qui marche à peu près avec tout, hein, d'ailleurs, pas ce qu'avec qui marche l'entraînement, mais exactement, ce qui marche avec beaucoup avec de tout. choses. Donc des fois, on a envie de se faire des nœuds au cerveau parce que voilà, on est des gens qui, je ne sais pas, honnêtement, les sciences sociales, c'est un domaine qui est très intéressant mais qui est extrêmement complexe. Et l'être humain, des fois, il a besoin de remettre en question des choses qui ont déjà été établies. Mais qui se dit, ah non, on va tout reprendre à zéro. Pourquoi? Enfin, c'est bon, c'est déjà fait. Il y a des choses, c'est déjà connu. Enfin, on n'a pas besoin de les remettre en question. Après, ok, pourquoi pas. Donc du coup, le dos rond, soulevé de terre, dos rond. Alors depuis des lustres, le soulevé de terre, on ne le fait pas dos rond en général. Il y a toujours des exceptions, d'accord? Et d'ailleurs, ces gens-là qui vont te dire, oui, mais si, regarde, il y a des gens qui font soulevé de terre, dos rond. Alors il y a plusieurs On choses parle de à... la colonne lombaire, hein. On parle de la colonne lombaire, hein. Voilà, on parle de la colonne lombaire, très Parce bien. que y a Tu aussi fais bien beaucoup de de le powerlifters préciser. qui disent qu'il n'y a pas de problème d'avoir le dos rond au niveau de la colonne dorsale. Tu fais très bien de le préciser. On parle de la colonne lombaire. Donc déjà, il faut faire la différence entre de quoi on est en train de parler, une flexion lombaire, une flexion thoracique. Une flexion thoracique dans le domaine, c'est vrai, ça a toujours existé, ça existe toujours. Et généralement, vu qu'on parle du soulevé de terre, on va rester dans le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est qui le fait? Enfin, c'est qui? C'est ma grand-mère qui fait du soulevé de terre? Non, le soulevé de terre, ce sont des gens qui s'entraînent. Je veux dire, c'est soit des forces athlétistes, d'accord, soit des haltérophiles qui font des soulevés de terre en général. Les gens qui font de la muscu pour l'esthétique font très peu de soulevés de terre, hein, d'accord? Ils vont faire plutôt des leg extensions ou des hyper extensions au banc, parce que comme tu l'as dit, ils préfèrent plutôt des exercices d'isolation. Donc déjà à la base, les gens qui font souvent le soulevé de terre, c'est des athlètes de haut niveau et qui travaillent en force, hein, la force athlétique et l'haltérophilie. Maintenant, ce sont des choses qui sont devenues à la mode avec le CrossFit, mais avant, personne n'en parlait. D'accord? Personne n'en parlait. Donc, si on regarde un peu dans ce pool-là, des gens qui font des soulevés de terre lourds et des gens qui font de l'arraché lourd en force athlétique avec une colonne lombaire arrondie, non. Enfin, c'est ça. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe, mais c'est une infime minorité. D'accord? La plupart des haltérophiles, la plupart des forces athlétistes, quand ils font leur soulevé de terre, ils ont le dos bien placé, c'est-à-dire qu'ils respectent les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Des fois, ils ont effectivement une kyphose qui va un peu plus s'accentuer, mais encore une fois, c'est une kyphose dorsale, donc c'est au niveau des vertèbres dorsales qui sont mieux tolérants à la flexion que l'étage lombaire. Et en plus, c'est quelque chose qui arrive suite à des années et des années d'entraînement. Donc, si tu veux, leur collagène et leurs disques intervertébraux et leurs ligaments se sont aussi renforcés et se sont adaptés. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un, hop, vient, prend une barre et hop, dos rond, que ce soit lombaire ou thoracique. Peu importe, que ce soit lombaire ou thoracique, dans tous les cas, il faut comprendre que c'est quelque chose qui vient avec le temps et avec l'entraînement et la forme du dos rond, vertèbre thoracique arrondie au soulevé de terre.
c'est restreint à la pratique au moment où on veut faire un PR, un personal record, d'accord, une compétition. On s'entraîne pas tous les jours avec le dos rond, d'accord. On essaie quand même de garder un dos bien placé. Des fois, effectivement, on va essayer d'aller chercher cette kyphose dorsale et l'entraîner aussi pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus à l'aise dans cette position quand on est en train de tirer le jour de la compétition. Mais encore une fois, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'entraînement. Donc, du jour au lendemain, venir prendre une barre et la tirer avec un dos rond, je pense que tu as plus de chances de te blesser en faisant ça qu'en te plaçant correctement. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, quand tu me parles, donc déjà, on a fait le point sur l'étage lombaire, l'étage thoracique. Flexion thoracique, ok, pourquoi pas, ça existe dans le domaine et ça s'entraîne. Flexion lombaire, non, ça n'existe presque pas. Ça existe uniquement chez les gens qui, effectivement, peut-être ont du mal à placer correctement les lombaires et donc ils n'arrivent pas à bien gainer. Ou alors, c'est des athlètes vraiment de très haut niveau qui se disent, fuck it, moi là, je suis en compète. J'ai ce poids-là, je veux battre un record, j'en ai rien à foutre de ma colonne vertébrale, d'accord? Je prends les risques. Je veux dire, j'ai écouté un jour un documentaire sur l'utilisation des anabolisants chez des athlètes. Et donc ça, c'est une étude hein, je peux la retrouver si tu veux. C'est une étude qui a regardé un peu comment est-ce que les athlètes réagissent face au danger d'une substance. Qui peut les aider à mieux performer. Et donc, on disait aux athlètes, regardez, donc ça c'est des anabolisants, ça peut vous aider à performer, mais par contre, ça peut aussi vous tuer. Est-ce que vous en prenez? Tu as 50% des athlètes qui disent oui, j'en prends. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu vois un force athlétiste en train de faire une flexion globale. Flexion globale, c'est-à-dire lombaire et thoracique. C'est pas parce que tu le vois en train de le faire que automatiquement, bah, ce n'est pas, il n'y a aucun risque, en fait. Il n'y a aucun risque, c'est top, il le fait, donc toi aussi tu peux le faire. Non. Il le fait parce qu'il a envie de battre un record, parce qu'il a un objectif de performance et parce qu'il est prêt à prendre le risque, d'accord, pour arriver à ses fins. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il est prêt à prendre le risque. Il est prêt à prendre des anabolisants, même s'il sait que ça peut le tuer, pour mieux performer. Il est prêt à arrondir le rachis lombaire, même s'il sait que ça peut augmenter le risque de blessure. Au niveau des vertèbres lombaires, il est prêt à le faire parce que ça peut améliorer sa performance. D'accord? Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc le deuxième point. Le troisième point, tu m'as parlé, oui, mais ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Effectivement, bien sûr que ça permet de renforcer les vertèbres et les ligaments. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, le problème avec les vertèbres, le collagène du disque intervertébral et les ligaments, c'est que ce sont des tissus, surtout les disques intervertébraux, donc tu le sais, tu es ostéopathe, ce sont des tissus qui ne sont pas innervés. Quand tu entraînes ton muscle et que tu t'entraînes trop, que tu pousses trop, que tu as une intensité qui n'est pas adaptée aux capacités de récupération de ton muscle te fait ressentir et te dit merde, au minimum, j'ai une courbature. Si je force un peu plus parce que je suis un bourrin, j'ai une élongation. Et si je suis vraiment bourrin et que je comprends rien, que j'ai rien dans la tête et que je veux y aller droit dans le mur, ben c'est une déchirure. D'accord? Donc ton muscle, il te parle. Il te dit, attention, là, aïe, j'ai un peu mal. Là, hop, j'ai un peu plus mal. Là, putain, je peux même plus me contracter. Ton disque intervertébral, il va pas te parler. Donc, ok. Donc comment tu fais pour doser, du coup, l'entraînement? Est-ce qu'il y a Ben des c'est ça qui études est qui nous disent? difficile. Bon, ben voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre une... Il faut avoir... une approche préventive et garder un rachis le plus neutre possible quand tu es en train de pousser lourd, quand tu es en train de faire des mouvements à haute vélocité ou avec une charge importante. Quand tu es en train de faire tes lacets, que tu arrondis ta colonne lombaire, on n'en a rien à foutre en fait. La colonne vertébrale est faite pour bouger. Donc tu peux très bien faire tes lacets ou ramasser un objet par terre sans Être capable de le forcément. faire. Tu dois être capable de le faire, t'es pas obligé de gainer et de faire attention à la posture de ton bassin, antéversion, rétroversion, à la pression intra-abdominale, la contraction des abdos pour ramasser ta carte bancaire qui est tombée. Non, on s'en fout. Mais quand t'es en salle de sport, que t'as des mouvements à haute vélocité ou des mouvements à charge lourde, tu as tout intérêt à rester bien gainé et à maîtriser la position de ton rachis. Premièrement, pour bien sûr la santé de ton rachis, deuxièmement, pour le transfert des forces. Eh ben écoute, discours nuancé que j'aime beaucoup, hein, je pense que
ça vous plaît. Je fais des petits clins d'œil des pauvres auditeurs qui nous écoutent. Il y a quelque chose aussi qui est important, qui est intéressant dans ces propos-là, c'est que, si tu veux, on sait que quand il faut faire une différence entre un dos bien placé visuellement, donc moi je suis coach, je vais à la salle, je regarde avec mes yeux, je n'ai pas un appareil à rayon X, je ne peux pas voir vraiment ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Je peux voir uniquement ce que je vois avec mes yeux. On a des études qui nous montrent aujourd'hui que quand tu vois un soulevé de terre ou un squat avec un dos visuellement droit, c'est que déjà à la base, à l'intérieur de ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire, il y a déjà une flexion. On voit qu'il y a déjà une flexion. Même si visuellement, il y a déjà une petite flexion. Il y a déjà une flexion. Qu'on voit pas. D'accord. Donc même quand toi, en tant que coach, tu dis aux gens, attention, gardez le dos droit, ben en fait, même s'ils essayent de garder le dos droit ou de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale, symphyse thoracique, lordose lombaire, ben ils n'y arrivent pas intrinsèquement parlant. La colonne lombaire va quand même fléchir. Donc on a déjà une flexion. Et on sait aussi que la flexion lombaire, au-delà de certains degrés, commence à augmenter les contraintes mécaniques et peut effectivement augmenter le risque de blessure au niveau du collagène qui entoure le disque intervertébral. D'accord, on sait ça. Même les gens qui te disent il faut tirer avec un dos rond, ils te disent attention, à un certain degré, ça commence à être problématique. Donc même eux, ils le reconnaissent. Mais par contre, ils oublient que même en ayant le dos droit visuellement, ton dos est déjà rond en fait. Tu es déjà en flexion lombaire, mais tu le vois pas. Donc imagine quand tu le vois. Quand tu vois la flexion lombaire, c'est que là, t'es vraiment en train de dépasser, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, tu dépasses les limites, quoi. Et tu te rapproches de la blessure. Ok, non, mais alors, tu vois, c'est bien. Propos nuancés, moi, j'aime bien toujours. Hein, on recontextualise un peu, on essaie de comprendre l'un et l'autre, et puis on se place un peu intelligemment. J'aime bien parce que on prend des. Souvent, ce qu'on entend, hein, tu vois, c'est le fait de tout remettre en question et d'essayer de trouver des nouvelles choses. C'est que souvent, on prend quelque chose et puis on le pousse à l'extrême. Tu vas avoir. Alors, beaucoup, les discours, ça va être tiens, ben, comme tu as dit, on va pouvoir être capable d'aller chercher un objet par terre, on va pouvoir être capable de faire ses lacets sans forcément faire attention, gainer, se mettre dans une position parfaite. Et souvent, ce qu'on retrouve chez ceux qui partent dans les extrêmes, c'est qu'ils prennent cette situation-là et puis ils vont la pousser en se disant bah, allez, allons jusqu'à mettre du poids, allons jusqu'à mettre 100 kilos sur ce mouvement-là, sur de la flexion. Là où moi je suis toujours un petit peu circonspect. Et ensuite, effectivement, tu as le truc complètement inverse où on va se dire attention, dès que tu vas te baisser, tu vas te faire mal. Alors se placer un peu entre les deux. Comme tu l'expliquais, je trouve que ça permet de mieux comprendre des choses. Et comme tu l'as dit, effectivement, le disque, les ligaments sont pas sont peu innervés. En tout cas, on voit très peu d'informations. Et une hernie discale, par exemple, puisque ça va être une détérioration ou une problématique qu'il va y avoir sur le disque intervertébral. Une hernie discale en tant que telle, tu vas quasiment pas la sentir. D'ailleurs, alors major mouvement, mais je pense à lui parce qu'il l'a beaucoup dit, puis il l'avait dit sur ce podcast quand je lui avais demandé pour lui un des plus grands mythes. C'est la discordance clinique, symptômes et radioclinique, quoi. Tu vois, c'est que on peut te faire une radio, on va probablement peut-être te trouver une petite hernie discale, une protrusion, et pourtant tu vas pas avoir mal au dos. Et puis tu peux très bien avoir mal au dos, on va te faire passer une radio et puis il y aura pas de symptômes d'une symptomatologie au niveau de l'hernie discale. Et c'est de se dire que tu peux très bien avoir un problème discal sans avoir de douleur, mais que la douleur va apparaître quand il va y avoir soit une compression d'une racine nerveuse, soit parce qu'il va y avoir un spasme musculaire, soit la douleur pour provenir d'autres choses. J'en ai parlé aussi avec Pierre-Élie Bernard, c'est que c'était l'épisode 100 et quelques. Je laisserai les numéros pour ceux qui veulent aller regarder, qui veulent aller creuser le sujet. Mais c'est que finalement, la douleur, elle est multifactorielle, elle peut venir de plein de choses et on arrête de plus en plus de penser que la hernie discale est synonyme de toute douleur. Néanmoins, et c'est ça un peu le penchant, tu vois, c'est qu'à force de se dire finalement l'hernie discale, finalement le disque, finalement ceci, en fait ça provoque pas de douleur, on va jusqu'à te dire bah tiens, tu peux mettre un max de contraintes dessus, finalement c'est fort, ça résiste et puis ça s'adapte. Ben pas forcément. Et bon, et puis Gundil dirait plutôt, on en reparlera dans 30 ans. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Déjà,